J'ai atterri avec cette réunion où on parlait de la boîte à partage et j'ai trouvé le concept très bien. La précédente édition, donc en 2015-2016, j'ai participé personnellement au défi Famille Énergie Positive sur la commune où j'habite et j'ai eu envie, dans le cadre de mon emploi, de le remettre en place. Bah, c'est Hanen qui m'a attrapée dans les locaux et elle m'a demandé si je voulais bien participer et j'étais très ravie de faire ce défi énergie par rapport d'abord pour les factures d'une part et également pour l'environnement. Je suis arrivée ici, je faisais mes courses sur le marché. Et donc, il y a une personne du centre social qui m'a parlé qu'ils allaient créer un jardin, si j'étais intéressée. Comme je passais dans le quartier, j'ai vu une pancarte, ce qui m'a attiré. J'ai téléphoné à la responsable et j'ai adhéré à l'association. Alors, moi, j'ai connu VRAC par l'intermédiaire de ma fille qui m'a fait part de ce mode de consommation que j'ai trouvé bien. Il y a quelque chose qui a facilité les choses. Oui, c'est l'association Encelia. Avant, on n'avait pas cette opportunité-là. On avait des idées, oui, mais ça s'arrêtait chez nous, quoi. Alors que là, on peut les extérioriser nos idées et on peut aller plus loin. Et puis, on a un soutien, on a une écoute, on a un local. Arthropologia vient au jardin, il nous apprend des choses sur les insectes, etc. Et nous, après, on peut les retransmettre, ces choses-là. On a besoin de leur aide. Leur aide est précieuse. Par rapport à la ville, par rapport à voilà, d'autres institutions, c'est elles qui se démènent. Hein. Nous, on est là, le groupe, pour réfléchir, pour parler, pour échanger. Voilà. Sans le centre social et sans Hanen, on n'aurait pas connu déjà. On n'aurait pas pu faire le défi énergie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on aurait été au même stade, en fait. On n'aurait peut-être pas su lire nos factures, on n'aurait peut-être pas fait des économies d'énergie. Alors, on a eu un interlocuteur privilégié à l'ADEME qui nous a sensibilisés avec des outils très simples d'utilisation, nous a sensibilisés à comment réduire sa facture d'électricité, comment réduire la température de la maison. Les thèmes sont suggérés déjà par l'agence. On nous remet un petit livret avec 100 éco-gestes sur la thématique de l'électricité, le gaz, l'eau. On a appris des choses sur l'utilisation des herbes, des plantes aromatiques. Les plantes et médicinales. Oui. On a déjà travaillé sur l'ortie, on a travaillé dernièrement sur la muscade. On peut organiser des ateliers avec voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bicarbonate ou avec la farine de sarrasin. Nous avons fait 2 ou 3 ateliers cuisine. On a un stand de goûte à tout, c'est-à-dire des légumes de saison justement. Bon, là, en mois de mai, on avait les légumes de mai. Et en septembre, on en refait une autre, on a des légumes. Et on fait goûter ces légumes aux enfants sous différentes formes. Et on leur fait deviner ce que c'est. On avait organisé aussi une disco soupe pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire. Donc là, les gens ont vraiment pris conscience qu'effectivement, on pouvait, avec des fruits et légumes qui n'étaient pas forcément très beaux à la base et puis qui allaient sans doute être jetés, on pouvait finalement en faire quelque chose et quelque chose de bon. On essaye de monter un composteur en particulier parce que c'est notre gros dada du moment, 2 composteurs même. Et puis, on parle aussi de la boîte de partage. Je ne savais pas que le frigo, quand il était à moitié vide ou vide, il consommait beaucoup. Donc, il fallait remplir des bouteilles d'eau et mettre dans le frigo. On avait décidé d'aller commencer à la sortie des écoles, présenter ce que c'était qu'une boîte d'échange ou de partage. Et puis, ben voilà, les gens sont tous arrêtés en demandant qu'est-ce que c'était et tout ça. Et déjà, l'esprit, ben oui, on jette beaucoup de choses, c'est vrai que c'est on se rend compte, on est une société qui gaspillons beaucoup et on serait content de pouvoir faire revivre des objets. Ce que j'aime, c'est que ce sont des produits locaux et de bonne qualité, qui peuvent être accessibles presque à tous. La démarche, elle est là. C'est vraiment court-circuiter les grands supermarchés qui se font du bénéfice sur les gens. C'est pour ça que moi, j'incite mes petits-enfants, quand ils viennent, qui mettent tout dans la même poubelle. Non, je veux dire, là, les bouteilles sont là, les cartons de lait sont là, il y a le compost. Les légumes. Voilà, quand on nettoie les légumes, il y a tout le temps le compost. C'est une ouverture, là, pour les enfants. Moi, je sais que mon petit-fils, depuis qu'il vient, il dit à sa maman, les déchets, tu ne les jettes pas. Tu me les donnes, je vais les donner à Mounette pour le compost. Ça va certainement changer la société, puisque les enfants ont construit derrière moi la maison des insectes, qui est dans la parcelle pédagogique. Donc c'est vrai que les enfants s'y intéressent beaucoup, beaucoup. Ce qui nous permet d'avoir une compréhension et une lecture
de ce qu'on consomme finalement, parce qu'on prend sa douche, parfois on n'imagine même pas qu'on utilise 180 litres d'eau. Et quand on comprend que 180 litres d'eau, ça peut être 200 bouteilles, là on se dit, ah oui, effectivement, peut-être que j'y vais un petit peu trop fort, quoi. Après, voilà, tout ça, j'ai parlé avec mon voisin, il dit d'accord et tout. Et bien cette année, tout le monde, il a fait attention, même pour le tricinti, cette année, c'est aller dans... Et pour le charge aussi. Cette année, ma voisine, elle a gagné 900 euros. Cette année, pour le charge. Et tout le monde doit être au courant pour lire ses factures, pour pouvoir consommer moins et pour être... pour prendre conscience, voilà. Pour prendre conscience réellement de ce qu'on fait en énergie. Moi, je passe l'information à d'autres qui sont intéressés à joindre l'équipe et à animer et créer des liens. Le but de VRAC, c'est que dans chaque quartier dans lequel nous intervenons, nous bénévoles, il faudra qu'un jour ou l'autre, nous arrivons à être autonomes. La démarche, c'était nous faire les prises de commandes, les transmettre à VRAC pour qu'ils puissent faire les commandes, et le jour de la livraison, de faire les livraisons et de, quelque part, de récolter, d'encaisser. Dans la pratique, c'est aller vers les autres, aller vers les gens, les convaincre que pour un mieux vivre ensemble, il faut que les choses changent. Tout l'enjeu est là, en fait. Ouais, les faire venir, leur expliquer, leur dire ben voilà, comment vous consommez, comment vous pourrez consommer autrement. Il faut vraiment aller à la rencontre des habitants. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec les gens parce que on connaît bien le quartier, c'est la parole, quoi. C'est la parole, c'est pas les mails et c'est pas les trucs comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est la rencontre, il faut pas labrer, il faut prendre du temps. Moi, je pense qu'il faut amplifier ce mouvement, quoi. Mais je pense que c'est par le biais d'école que ça va avancer. Parce que ça va toucher les enfants. Mes enfants, là, je suis contente parce que voilà, ils aiment cuisiner avec moi, ils font des gâteaux et vraiment, ils s'en sortent très bien. Et quand on reçoit des copains à la maison, découvrir des gaufres, moi, j'avais l'impression, ils connaissent pas. On faisait des gaufres avec la gaufrière, etc. Et puis le copain de mon fils, il a fait acheter une gaufrière à sa mère. Tellement il a trouvé ça extraordinaire. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps avec nos enfants, de cuisiner, de leur faire acheter. Je vais au marché avec eux, je leur explique les légumes, etc. Mais c'est un terme d'éducation. C'est vrai qu'il y a la communication, elle est pas facile à faire avec les habitants. Est-ce que le bailleur doit mettre la communication dans les allées, les centres sociaux, d'autres associations, les écoles? Depuis qu'on a créé le groupe, on échange. J'ai vu que les dames, on a appris à se connaître en tant que voisinage, en tant qu'habitant de Saint-Fons. On a appris à échanger nos connaissances. On a appris à nous transmettre les informations l'une envers l'autre. Moi, je trouve que ça fait une bonne animation pour la ville. Pour que les habitants prennent conscience de ce qui se passe à l'extérieur, il faut déjà qu'ils soient bien dans leur maison, dans leur appartement. Et moi, je trouve que quand même le bailleur social, nos bailleurs, ils ont quand même une grosse responsabilité dans tout ça. Nous, on a tellement de mal à les avoir en ligne ou avoir un rendez-vous parce qu'il y a des problèmes, il y a des fuites sans arrêt dans ces immeubles, des fuites d'eau, des problèmes électriques et tout ça. Faire des économies d'énergie, en fait, ça nous donne pas qu'une vision sur l'énergie, mais ça nous ouvre l'esprit sur notre façon de consommer, mais même consommer au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on produit en déchets alimentaires ou papier. C'est vraiment une prise de conscience, ce défi. Il nous ouvre l'esprit sur tout plein de choses et sur notre façon de vivre, sur notre façon de vivre au quotidien, sur notre façon de vivre avec les autres et sur notre façon de vivre pour les autres.